Des recrues phares à véritable paria en l'espace d'un an. Mohamed Bayo ne fait plus partie des plans de Paul Fonseca. L'entraîneur de Lille l'a clairement dit après le nul contre Nice 1-1 lors de la première journée de la Ligue 1. Annoncé au Havre et à Cadix mais sans suite, l'ancien Clermontois se dirigerait désormais vers la Serie A italienne. D'après Matino, cité par Petit Lillois, Mohamed Bayo pourrait signer à l'Union Sportive de Salernitana. Selon nos informations, l'opération tend vers sa fin, mais le club italien souhaiterait d'abord enrôler l'attaquant du Sili National sous forme de prêt avant de passer au transfert définitif. Mohamed Bayo a été recruté par Lille la saison dernière contre 14 millions d'euros en provenance de Clermont Foot. Mais depuis son arrivée chez les Dogs, l'avant-centre guinéen reste l'ombre de lui-même. Pire, il s'embourbe dans des problèmes extrasportifs. Durant l'exercice 2022-2023 en Ligue 1, Mohamed Bayo a disputé 27 matchs dont 6 titularisations, 4 buts marqués et une passe décisive. Le club où il est nouvellement annoncé, l'Union Sportive de Salernitana, a terminé 15e au classement général avec 42 points la saison passée. Il disputera son premier match du nouvel exercice de la Serie A italienne contre l'AS Roma le 20 août 2023. Reste à savoir si le Guinéen ira en Italie.